Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Saint-Jean Coloriage. Aujourd'hui, on est là pour une vidéo d'un happy mail que j'ai reçu pour mon anniversaire. Vous savez, mon anniversaire, c'était le 12 novembre. Puis, j'ai un ami qui m'a gentiment offert un très bel cadeau. Je te le montre avec aujourd'hui. Fait que je l'ai ouvert en privé avec elle, je lui ai dit merci, mais je veux faire une vidéo aussi pour y redire merci. Fait que là, elle m'a envoyé le gelato, il y a le sirop et il y a le cône de neige. Je suis content pour le cône de neige parce que j'ai quasiment fini la mienne. Ensuite, elle m'a envoyé cette belle trousse-là. Vous le savez, j'adore des trousses qui ouvrent comme ça. Mais non seulement qu'elle m'a envoyé la trousse, elle m'a envoyé, on va te regarder ça, quelques Lightfast et quelques Pablo. J'en viens pas. Des Pablo, j'ai jamais essayé ça. Fait que là, dans les Lightfast, elle m'a envoyé le Wild Lavender parce qu'elle savait que je disais que les miennes descendaient puis je me demandais qu'est-ce que j'étais pour faire. Elle m'a envoyé le Midnight Blue 70%. Je l'avais pas. Le Autumn Red. Je l'avais pas. Et le Dark Cyan. Je l'avais pas. Et elle m'a envoyé des Pablo, j'en avais aucune. Ça, c'est le Turquoise Blue. Le Raspberry, qu'elle m'a dit, Raspberry Red, que c'est son couleur préférée. Elle m'a aussi envoyé le Golden Yellow. Et le Cobalt Blue. Ça, on va les tester après, parce que j'aimerais regarder les livres en premier avant de baisser mon caméra. On va passer ça. Et on va regarder les livres ensemble. Elle m'a envoyé Disney Mickey & Co. Une master. Comme vous le savez, moi, je ne regarde pas souvent les réponses, mais je vais t'en montrer quelques heures. Puis, comme si je viens de l'ouvrir, regarde, il y a une colo Noël. Il faudrait que je check s'il y en a d'autres. Mais trop content. Vous savez que je tripe mystère, fait que je pense que je vais ramasser toute la collection le plus possible. Le plus complet possible. Ensuite, elle m'a envoyé Disney Character Steampunk Coloring Book. Puis on va regarder ensemble. Ils disent pas c'est fait par qui, mais c'est copyright 2021. Tout doit réserver. Puis on va regarder. Oh, elle est la bête. Oh, je l'espère qu'il a en gros. C'est papier Amazon. Test pour le pays, salle de test. La petite sirène. Ah, oh, elle est belle. Je sais pas si Steampunk elle sait, mais celle-là, je capote là-dessus. Là. Ah oui, là, well. Ils l'ont gros, celle-là. Je vais m'amuser avec ça. Ah, oh, Jasmine. Elsa. Du coup, je me demandais si c'était belle. Réponse. Des clochettes, je pense. Alice. Pas vraiment belle. Pocantès. Rebelle, je pense. Belle au bois dormant, horreur, ça se peut-tu? Horreur. Elle, je suis pas sûre c'est qui. Vraiment pas sûre. Ouais, elle est belle pareil. Ça, c'est Blanche-Neige. Cendrillon, et j'aime sa robe. Goofy, trop cute. Attends, c'est-tu des princesses? Non, des personnages steampunk, ok. Je pensais que c'était des princesses. Fait que là, je m'en allais dire, ben, c'est pas une princesse Goofy, là. Peter Pan. Esmeralda. Donald. Trop cute, Donald. Je reçois ça ici. OK. Est-ce que je veux monter mon filage.
qui me parle devant mon livre. Donc, on va faire ça. OK. Ça, c'est Moana, ça se peut-tu? Je pense que oui. Je pense que c'est Jane de Tarzan, mais pas sûr. Anna? De Frozen, peut-être? Mulan, peut-être? Aladdin. C'est vraiment spécial, j'aime ça. Ah, la fille de Toy Story. Woody de Toy Story. Je sais pas c'est qui. Et voilà, ça c'est le livre au complet. C'est écrit dessus en arrière. Made in Amazon. Made by Amazon, je veux dire. Donc voilà, ça c'est Disney Character Steampunk Coloring Book. Et ensuite, elle m'a envoyé un pupitre que j'ai même pas ouvert. J'attends, oups, j'attendais de faire la vidéo avec vous autres. Elle m'a envoyé La Belle et la Bestia, La Belle et la Bête de Fabiana Tanasio. Scellé encore. J'ai trop hâte de la regarder. J'attendais la vidéo. Fait qu'on va ouvrir ça doucement, faire attention. Parce que j'ai trop hâte de regarder. Excuse-moi de la valeur de l'ouvrir, mais il y en a d'autres qu'on va colorier dedans si on l'ouvre pas. Ça, c'est celui que je veux le plus de tout. Je suis trop content. Fait qu'il est ouvert, enfin, je peux le regarder. Il vient avec le poster en arrière. Qui est gigantesque. Je l'ouvrirai pas au complet parce qu'il est comme 3 pieds de gros, là. Mais, c'est un gros poster. Comme vous voyez. Je pense qu'à un moment donné, je vais carrément le faire, mais à marqueur alcool. Je vais le replier dans le sens opposé pour être capable de le faire, là, tu sais. Fait qu'il Belle et la Bête de Fabiana Tanasio. Je suis trop content. Là, ça ouvre comme ça ici. White Star Kids. Belle papier. Comment ça, c'est libre. Je sais pas comment je vais faire pour vous montrer ça. On va voir. Là, c'est ça. Oh, elle est belle celle-là. Je pense que ça va être le premier que je vais faire. Trop magnifique. Puis là, t'as l'histoire, mais là, je sais, je pense en italien, je suis pas sûre. T'as la bête, là. Son miroir magique. Un bel petit rose, puis j'adore colorier des roses en plus. Peut-être que je commencerai avec le rose, parce que je suis sûre que je le gafferai pas. Ça, c'est une double page. Un bateau. Photo familiale. Ou des personnages, pas sûr. Ça, c'est Belle puis son père. Excuse-moi, mes mains sont engourdies aujourd'hui. C'est pas une bonne journée pour mes mains. Le village. C'est pas magnifique. C'est pas beau. On est couché dans un champ, elle lit son livre. Son père, je pense à Bill qui parle des 3 filles. Et Bill, celle-là avec la rose, puis les colliers, les joyaux. Je me sens, je vais m'amuser comme un petit folle avec ce livre-là. Le papa qui s'en va, ça c'est son cheval. Une forêt. Et le papa en silhouette. Il est perdu dans une tempête de neige, je pense. Des flocons de toutes les sortes. Un loup qui crie. Elle est belle, celle-là. Même si j'aime pas les endoodles, il y a de quoi à faire avec cette page-là. Le château qui voit. Ah, c'est trop beau. Méchant repas qui mange là, hein? Un chandelier. Super belle.
Un ombrage avec les comme des fleurs autour, ça c'est Beast. La boîte. Une page juste des roses. Il y a de fun à faire avec. Tu pourras faire plein de couleurs de roses. Ça, c'est la rose magique du bait. Je pense. Le bait qui est fâché contre le papa de Belle. La capture, j'imagine. Son coffre au trésor. Il est là dans le château dans mon jeu de Disney, ça. Page avec des trésors. Belle. Quitte sa famille, je pense. Le papa avec plein d'autres personnages. Le château. Belle qui se promène. Elle est belle, celle-là. J'aime bien les photos avec la cadrage comme ça. Magnifique. Vraiment, vraiment belle comme livre. Je suis trop content. C'est trop belle. Regarde-moi ça. Oh, je vais faire tellement du fun avec ça, là. Papier peint. Ça, c'est le cadrage que Bait y a détruit. C'est son visage. À prendre son repas avec la Bait. Trop, trop fun. La Bait qui la regarde lire. Oh, il danse. Une grosse double page. Mais t'as-tu vu sa robe? Oh, trop magnifique. Les miroirs. Les livres. Oh. Elle pleure. Parce qu'elle a vu son papa malade. Fait que là, elle a été aider son papa. Oh, elle est belle celle-là. J'adore. J'adore. La fontaine. Je pense que j'ai jamais colorié une fontaine, ça va être la fun. Oh, la bête qui pleure parce que sa rose est en train de mourir. Oh, je l'adore. Toutes des vitraux. Avec la silhouette très très bien faite. Elle est belle celle-là aussi. Je l'aime. Belle qui s'en va. Ou elle retourne, je suis pas sûre, là. Oh, c'est elle qui retourne. Oh, c'est tellement belle. Puis triste en même temps. Une espèce de grosse image d'un doodle. Je vais m'amuser avec ces pages-là, j'ai des idées. Il retransforme en prince. Son couronne. C'est spécial. Moitié bête, moitié prince. Je peux pas te le rendre justice. Il est magnifique comme colo. Belle puis son prince. Et les fleurs puis le château. Et voilà. Ça, c'est juste un magnifique livre, La Belle et la Bête de Fabiana Attanasio. Elle m'a vraiment trop gâté, mon ami, là. Là, je vais peigner un morceau de papier que j'en ai ici. On va peigner un morceau de papier parce qu'on va tester les crayons. OK. Voilà. On va juste faire ça. On va peigner mon affaire pour mon doigt. Oups! On va baisser les caméras. Oups, peut-être. Baisser les caméras. Voilà. Remonter ça. Parfait. Sortir les crayons. On va regarder les couleurs ensemble. On va tester les Pablo. J'ai un feeling que ça va me coûter cher, ces Pablo-là. Elle m'a dit qu'elle pense bien que je vais aimer ça. Donc, on va faire ça ensemble. Là, on va regarder le Life Fast, Dark Cyan. Oh, c'est une belle couleur. Je vais les montrer. Je vais te montrer le prochain encore, pourquoi pas. Voilà. Parfait. Super comme couleur. Ça, c'est celle qui va me manquer, hein, elle savait. Trop magnifique, cette couleur-là. Je l'adore. Ça, c'était le Wild Lavender.
Ensuite, il y a le Autumn Red. Ça, c'est des Derwent Lightfast. Oh, wow. Elle est belle, celle-là. Puis juste à temps pour Noël, en plus. Et le Midnight Blue, 70%. Oh, wow. Je l'aime beaucoup. C'est des très belles couleurs. Là, celle que j'ai le plus peur à tester, parce que j'ai un feeling que ça va me faire un gros craquage. Hein? Pas tout de suite, mais éventuellement. Fait que ça, c'est les Permanent Color Pablo Carandache Swiss Made. Ça, c'est le jaune d'or Golden Yellow. Oh. Wow. J'aime ça. Je vais les tester dans le colo, ça, c'est sûr. Ça, c'est le rouge framboise. Ok, belle comme couleur. Oh, wow. J'adore ça. Ensuite, le bleu turquoise. Hey, ça glisse bien, là. Et le bleu de cobalt. Super, on va essayer de dégrader. Ça fait un bel dégradé pour GSM. Donc voilà, ça c'était mon cadeau de mon ami. Le gelato, j'y teste pas. Pas tout de suite, je vais faire un gros nuancier de tous mes gelatos, puis il faut que tu vas voir ça dedans. Mais je veux leur dire un gros merci à mon ami. J'adore le cadeau. C'était vraiment, vraiment gentil de votre part de m'envoyer ça. Fait que, merci beaucoup. Puis là-dessus, je te dis merci à tous mes abonnés nouveaux et anciennes. Si t'es pas abonné, mais t'as aimé, qu'est-ce que t'as vu, pense-y, c'est gratuit. Et ça montre que t'aimes qu'est-ce que je fais. Puis ça m'encourage à faire plus de vidéos. J'ai un groupe Facebook pour tout le monde si tu veux partager vos colos. Juste venez jaser avec nous autres. Le lien va être dans la description en dessous. Et là-dessus, moi, je te dis bye-bye. À la prochaine vidéo.